Le grand entretien ce matin, trois invités, trois femmes pour parler des Jeux Olympiques à quatre jours de la cérémonie d'ouverture dans la ville de Tokyo. Des Jeux évidemment particuliers cette année après 17 mois d'une épidémie de coronavirus qui est bien loin d'être finie. De très nombreuses épreuves vont devoir se dérouler à huis clos. C'est en tout cas ce qui a été décidé par les autorités sur place. De même qu'il n'y aura pas de spectateurs venus de l'étranger, sans parler des mesures draconiennes qui ont été édictées pour les sportifs, bien sûr, mais mais également pour les journalistes. Alors vos questions, vos réactions sont comme toujours, et vous le savez, les bienvenus sur France Inter au 01 45 24 7000. Roxana Maracineanu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la ministre déléguée chargée des sports, et vous êtes aussi, tout le monde le sait, une ancienne nageuse, championne du monde de natation sur 200 mètres d'eau et médaillée d'argent en 2000 au JO de Sydney. J'ai le plaisir d'accueillir également la judocate Sandrine Martinet. Bonjour. bonjour. Soyez la bienvenue. Euh, ce sera votre cinquième participation à des Jeux paralympiques en judo-handisport dans la catégorie des, mal des malvoyants B2. Euh, on ne compte plus vos médailles, notamment deux en argent aux Jeux d'Athènes et de Pékin, une en or aux Jeux de Rio, et vous aurez l'immense honneur d'être porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Enfin, nous attend au Japon, vous connaissez sa voix, elle est notre correspondante installée là-bas depuis 17 ans, la journaliste Karine Nishimura. Bonjour Karine. Bonjour Karine, bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. Et je vais commencer avec vous justement Karine. Allons sur place, à quelques jours du début de ces Jeux. J'ai envie de dire tout simplement, quelle est l'atmosphère Racontez-nous, les Japonais ne veulent pas de ces Jeux, il y a régulièrement des manifestations. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un climat de tension par exemple oui, il y a une certaine tension, mais qui n'est pas forcément tangible. Les athlètes, quand, elles, quand ils arrivent, ne se rendent pas compte que le, le, le climat n'est pas très bon, que l'ambiance est, est mauvaise, euh, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on remarque en arrivant. On ne va pas être accueilli avec des tomates au Japon, ni avec des œufs cassés sur, sur le visage. On va être accueilli avec des sourires comme d'habitude. Les Japonais, d'habitude, adorent les Jeux olympiques et ils ont une admiration pour les athlètes qui n'a pas disparu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que y a, ces Jeux ont été des... Décidé dans une période qui ne s'y prête pas selon la majorité de la population. Il y a une angoisse latente qui dure depuis des mois, qui s'est installée et qui s'est accumulée, euh, qui, qui se cumule avec du ressentiment par rapport à la gestion de crise par le gouvernement. Les Japonais ont fait énormément de sacrifices et puis d'un seul coup on, on, on leur dit on fait les jeux et mmh. les jeux il n'y aura pas de problème. Mais toute leur vie a été bousculée. Et il n'y a que pour les jeux qu'il n'y a pas de problème et il n'y a pas eu de débat sur tout. Donc les Japonais ne comprennent pas que ces jeux soient maintenus dans la période actuelle. Mmh. Et c'est ça qui les, qui les tracasse en fait. Est-ce que ça va être difficile aussi pour les journalistes de couvrir cet événement, de relater ce qui est notre métier, ce qui est en train et ce qui va se passer sur place ah bien, les journalistes qui arrivent au Japon vont se concentrer sur les épreuves sportives, ne vont rien voir du Japon, de la société japonaise, ne seront pas en contact avec les habitants du Japon, à moins de passer plus de 15 jours sur place et puis de lever ces barrières qui sont valables pour les 15 premiers jours. Mais le Japon est un pays qui est compliqué, même quand on y réside depuis des années et des années, les réactions des Japonais, elles ne sont pas faciles à comprendre. Et quelqu'un qui arrive et qui veut appréhender ce qui se passe ici, aura beaucoup de mal et s'y ajoute effectivement des restrictions qui empêchent totalement d'aller raconter ce qui se passe au Japon si on n'est pas déjà sur place. Et c'est un vrai contrôle des médias par ailleurs, donc c'est assez problématique. Un vrai contrôle des médias. Euh, Karine, euh, encore une question, est-ce qu'il a été envisagé à un moment donné, vu le contexte, d'annuler ces Jeux Olympiques au Japon Officiellement, non. Il y a eu d'énormes appels de la part de l'opposition, mais entre le gouvernement, le comité d'organisation, la ville de Tokyo et le comité international olympique, le mot annulation n'a, nous dit-on, jamais été prononcé. Donc, il n'y a pas eu de débat. Le gouvernement a acté officiellement la décision du CIO. Comité international olympique de maintenir ces jeux. Et donc, de, du point de vue de la population japonaise, eh c'est le, le CIO qui décide. Et les Japonais se sentent un petit peu habitants d'un pays colonisé par le Comité international olympique. C'est ainsi qu'ils le disent. C'est ainsi qu'ils le ressentent. Et c'est ainsi que ça n'a pas été compris, notamment par le CIO, qui s'est montré assez arrogant vis-à-vis -vis de la population japonaise. Mmh. Donc on l'entend, hein, une situation particulière tendue. Je me tourne vers vous, Roxana Marasinehanou. Et je vous pose la question à vous aussi, vu l'ambiance, vu le contexte, vu la reprise épidémique avec le variant Delta, est-ce qu'il n'aurait pas été quand même un peu raisonnable de les annuler ces Jeux Olympiques C'est sûr que tout le mouvement sportif, athlètes, entraîneurs, mais aussi fédérations internationales vont se rendre au Japon dans cet esprit de reconnaissance, de reconnaissance d'avoir réussi à organiser ces Jeux, comme tous ces acteurs ont été reconnaissants à la France d'avoir organisé les. Euh, les TQO, les tournois de qualification olympique, pour que nos athlètes puissent faire leur métier. Je crois okay. que c'est ça qu'il faut retenir. Faire euh, 8 ans sans Jeux olympiques, c'est inconcevable pour un sportif. C'est une compétition rare, c'est une compétition pour laquelle on se prépare pendant de nombreuses années. Et pour nous, particulièrement, Français, qui allons accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, c'est essentiel que nos athlètes puissent y participer. Donc nous, on a tout fait pour respecter ce que nos hôtes japonais nous ont proposé pour y aller pour que ces jeux se tiennent et pour euh, euh, finalement reconnaître la crainte aujourd'hui des japonais l'inquiétude c'est une population vieillissante c'est une île ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures médicales pour accueillir les personnes en cas de difficulté donc euh, rester dans la bulle sanitaire euh, respecter tout ce qui nous a été euh, euh, proposé en termes de passe sanitaire de tests euh, c'est pas facile pour les athlètes c'est pas facile pour les entraîneurs mais maintenant on le sait. Et je crois qu'il faut aller de l'avant et c'est très bien que ces, ces, ces jeux puissent démarrer dans quelques jours. Maintenant. Alors on entend les enjeux sportifs et dans la bouche d'une ministre des Sports, rien ne nous surprend. Malgré tout, j'ai envie de vous demander aussi, les enjeux financiers sont également très importants et ça a joué dans le maintien de ces jeux Je ne pense pas que ce soit ce qui a primé. Ce qui a primé vraiment, c'est que les athlètes puissent reprendre parce que c'est aussi... Montrer au monde qu'on peut vivre avec ce virus. Ces Jeux Olympiques, comme tous les grands événements sportifs qu'on vient de vivre, également en France, le Tour de France qui vient de se terminer, l'Euro de football, c'est aussi donner cet espoir et ce sens pour l'avenir à pas seulement aux Françaises et aux Français, mais mmh. à toute la population mondiale, pour dire on vient de vivre une période difficile, c'est pas terminé, mais il faut qu'on vive avec ce virus. Et ces Jeux Olympiques, je pense qu'ils doivent être marqués de ce saut de la renaissance et d'un nouveau départ aujourd'hui. Évidemment, ça fait beaucoup de poids sur les épaules de nos athlètes, mais je crois que depuis 15 mois, ils ont vécu une vie qu'ils n'avaient jamais vécue avant et une responsabilité aujourd'hui qu'ils assument en allant à Tokyo, qui est supplémentaire en plus de celle pour aller chercher des résultats, pour être compétitifs. La chance pour nos Français, c'est que les cartes, elles ont été rebattues pour tout le monde. Et donc, euh, si on arrive à tirer son épingle du jeu, eh bien, on aura une chance aussi de figurer parmi les me meilleures nations. Et évidemment, on y va avec cette, cette ambition et cette confiance. On va en reparler de ça, évidemment. Euh, il est grand temps de se tourner vers. Euh une athlète, justement, une judocate euh, malvoyante, Sandrine Martinet. Quand vous entendez ce qui se passe sur place, quand vous entendez les propos de la ministre, qu'est-ce que vous ressentez, vous Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'athlète en ce moment ben, Nous, euh, clairement, euh, l'important, c'est que les, les, les Jeux euh, soient là, qu'on puisse les faire. Euh, voilà, On, on s'est entraîné euh, tous pour ça et c'est ça euh, sur lequel on doit rester focus, vraiment, et euh, les conditions sanitaires, on sait qu'elles vont être compliquées, mais euh, comme on le fait depuis un an et demi, on va s'adapter et, euh, et on, on va vraiment rester, voilà, focus euh, et pas se laisser, euh, voilà, euh, happer par euh, par toutes tout ce, ces choses un petit peu un petit peu compliquées qui peuvent nous faire sortir de notre de notre objectif. Voilà, rester concentré. On sait que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des tests, qu'on va être isolé, que voilà, mais ça fait partie euh, des, des, des des mmh. cartes, des données et il faut faire avec et vraiment l'important c'est de rester focus sur l'objectif sportif. Et rien ne vous inquiète Non, non. Et, enfin voilà, on va respecter un euh, maxima, euh, mmh. les, les consignes, euh, voilà, euh, tout est mis en œuvre pour que pour que ça se passe bien. Euh, donc on va faire le job tout simplement et, et aller performer. Est-ce est que vous êtes vacciné Oui. Depuis longtemps. Enfin, vous avez les deux doses. Euh, vous êtes alors, totalement vacciné euh, ou pas Alors moi, j'ai eu le, le Covid en, en mars et j'ai eu une dose courant en juin. Alors j'en profite pour aller au standard. Marc a une question pour la ministre, j'imagine pour la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Bonjour, Marc, vous êtes le bienvenu. Oui, bonjour. Bonjour France Inter. Bonjour Madame la ministre. Je trouve les débats actuels surréalistes compte tenu de l'importance des enjeux. Pourquoi le CIO n'a pas imposé la vaccination aux athlètes pour lesquels cet événement est si important la réponse de Roxana à nous. Merci beaucoup Marc. C'est le message que j'ai porté moi-même à Thomas Barr il y a de cela quelques mois. Je l'ai incité à, à se positionner et que le CIO se positionne sur euh, le, voilà le soutien qu'il pouvait apporter aux sportifs. Il y a cette notion de euh, d'ingérence qu'ils ne veulent pas aujourd'hui assumer, le mouvement sportif international. Mais je pense que pour, dans cette euh, période exceptionnelle, le mouvement sportif peut et doit se positionner un peu plus pour son secteur d'activité. Vous ne pouviez pas intervenir, vous, sur ce sujet-là ben Nous, on intervient au niveau de chaque gouvernement. Donc moi, je me suis battue pour que les sportifs puissent être prioritaires, aussi bien pour l'utilisation des tests dès le départ, dès le mois d'avril de, dernier, enfin l'année dernière, et puis pour la vaccination, dès que c'était possible, de, qu'ils deviennent publics prioritaires, ce qu'ils ont été. Ils mmh. ont été un peu vaccinés et commencé à se vacciner en avance de phase pour pouvoir être prêts. Stéphanie l'a dit tout à l'heure, il, mmh. il fallait anticiper pour avoir les deux doses avant de partir. Mais les sportifs le souhaitaient ou ils ont eu... Un petit peu tendance à rechigner, à pas avoir forcément envie d'y aller. Non, je pense qu'ils le souhaitaient. C'est vrai que ce qu'ils craignent, c'est euh, parfois les, euh, les effets indésirables. Vous voyez le, le bras qui fait mal, un peu de fièvre un jour, deux jours. Parce que pour nous, c'est, euh, qui ne faisons plus d'entraînement de sport, c'est tout à fait gérable. Mais pour eux, louper trois jours d'entraînement, ça peut être compliqué. Euh, maintenant, s'ils l'ont fait suffisamment en amont, euh, ça, ça s'est très bien géré. Aujourd'hui, on a euh, quasiment 90 des, des athlètes qui sont à Tokyo en ce moment qui ont été vaccinés, les deux doses, ou une dose s'ils ont eu le Covid avant. Euh, voilà, c'est on voit bien qu'ils étaient tous motivés à le faire. Ça diminue d'autant plus les contraintes qui vont peser sur eux. La question de Patrick, qui est au standard de France Inter. Bonjour Patrick, on vous écoute oui, bonjour. Ben, J'avais une réflexion. Pourquoi n'a-t-on pas décalé les Jeux Olympiques de Tokyo à 2024 Donc ne pas les annuler, simplement les décaler. Et de, de, de fait, bien sûr, Paris à 2028. Merci Patrick. On écoute euh, Roxana Marasina nous et il y a également euh, notre athlète Sandrine Martinet, à la judo 4 qui a envie de, de réagir également. On vous écoute toutes les deux. D'abord, oui, euh... bah peut-être Sandrine, qu'est-ce que ça aurait fait euh... bah, Moi, j'aurais pas euh, pu <laughs> faire pas ces aimé... derniers vous jeux. On n'aurais pas tout pu de porte-drapeau, donc très très personnellement, ça aurait été une catastrophe, euh, voilà, pour, pour moi et pour beaucoup d'athlètes. Euh, voilà, les décalés euh, en 2024, euh, ça aurait empêché un grand nombre d'athlètes de les faire. Et, euh, et je pense que justement dans, dans, dans cette ambiance très compliquée, euh, les Jeux c'est aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de choses positives, euh, voilà, euh, plein de valeurs, plein de symboles euh, dont on a besoin en ce moment. Et j'espère vraiment que avec le démarrage des, des Jeux Olympiques puis Paralympiques, on va avoir un peu des bonnes nouvelles et des bah belles oui. choses et mais des mais belles une émotions. C'est une question aussi un peu politique, là, euh, Roxana Maracineanu, parce que est-ce que la France, on a un peu cette impression-là en vous entendant ce matin hein, a un peu poussé quand même aussi le Japon à aller jusqu'au bout, parce qu'on sent bien que le, le, le Japon était quand même très inquiet de plein de choses et de pas savoir gérer tout ça. On a l'impression que la France, qui va organiser les Jeux de 2024, a... a c'est pu... notre rôle, c'est notre rôle d'être en soutien, effectivement. On a, on a beaucoup d'échanges depuis un Je ne pas seulement en euh... soutien, là, je dis vraiment... Moi, je suis allé hein. déjà trois fois au Japon en trois ans pour pouvoir uh -huh. échanger avec eux, avoir cet échange d'expérience sur l'organisation des Jeux. Donc, on est en soutien du Japon, effectivement, pour qu'il les organise. On n'a évidemment pas poussé, puisqu'on respecte la décision de Tokyo et du Japon, à les organiser ou pas. Euh, pour nous, c'est important sportivement. Euh, moi, on je défends défend mon secteur pour que qu'ils bah, puissent... Euh, et, et vous savez, une carrière de sportif, d'athlète, c'est éphémère. Euh, la plupart des athlètes, ce pas des athlètes professionnels sous contrat qui gagnent leur vie, euh, toute leur vie grâce au sport. Donc, euh, on a besoin de les maintenir aussi en activité, en, en, en action, en entraînement euh, motivé pour pouvoir être euh, encore là dans trois ans. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est battu pour organiser beaucoup de compétitions en France, parce que beaucoup de compétitions ont été annulées dans le monde. Mmh. Et on a tout fait pour que ces compétitions puissent se tenir, quand c'était à huis clos, à huis clos, quand c'était avec un peu de public, avec un peu de public. Mais l'essentiel, c'était que les athlètes puissent faire leur métier. Et moi, c'était ça mon combat. Mmh. Karine Nishimura, si vous êtes encore avec nous depuis depuis le Japon, depuis Tokyo, qu'est-ce qu'on dit au Japon sur cette question-là Est-ce qu'on trouve que la France a un peu trop mis la pression on, on ressent surtout une pression du, euh, du Comité international olympique euh, au, au Japon. Hein. C'est plutôt celle-là qui, euh, qui est regardée et, euh, et, et pas tellement celle des éventuels pays qui, euh, qui ont euh, éventuellement. Poussé, ou euh, qui, euh, qui ont accentué l'envie euh, de, de, de maintenir ces, ces JO euh, cette année. Bon, la France a une diplomatie du sport au Japon qui est, euh, qui est assez visible, donc effectivement, la France est perçue comme un des pays qui a favorisé le maintien de, de ces JO. Je voudrais re revenir juste sur la question de la vaccination, pourquoi pas obligatoire En fait, il y a une raison particulière, c'est que euh, le Premier ministre japonais a répété pendant des mois qu'il ne faisait pas de la vaccination une condition préalable à la tenue de ces JO, c'était un argument politique, la raison étant que le Japon n'était pas prêt pour faire ça et qu'en plus au Japon aucun vaccin n'est obligatoire pour personne. Donc il mmh. était difficile d'imposer une vaccination obligatoire pour les gens venant de l'étranger tout en leur disant nous on ne sera pas vaccinés. Hein et là au Japon actuellement il y a 20% de la population qui est totalement vaccinée, pas davantage. Alors, il y a évidemment une autre question qui, qui se pose, c'est celle de la préparation euh, des athlètes. On, on, on l'a laissé sous-entendre tout à l'heure, mais parlons-en vraiment maintenant. Depuis 18 mois, on sait que c'est assez compliqué de s'entraîner. Euh, Sandrine Martinet, comment est-ce que vous êtes organisée Vous, je le disais en introduction, c'est votre cinquième participation à des Jeux paralympiques. Euh, est-ce que vous vous sentez aussi prête, aussi préparée que vous l'auriez souhaité alors personnellement, oui, euh, le seul, euh, la seule chose euh, qui, qui manque, euh, c'est euh, les fameuses compétitions, où on en a eu euh, vraiment euh, moins. Mmh. Donc, euh, Combien a... de moins, par exemple euh... C'est dans du simple au double Oui, à peu près. Mmh. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu se confronter euh, voilà, aux, aux étrangers euh, aussi euh, souvent qu'à l'accoutumée. Euh, mais pour le reste, en ce qui concerne la, la, la préparation, euh, autre.. Euh, physiquement, vous n'avez pas peur de vous abîmer Pas du Ça tout. Euh, moi, physiquement, euh, voilà, j'ai une, une super préparation physique. Euh, au niveau de, euh, du, du judo, là, je sors d'un super stage. Euh, qu'on a fait euh, vers euh, Dax et, et Souston, où euh, voilà, on était dans des super conditions avec des partenaires euh, qui ont donné euh, le meilleur euh, d'eux-mêmes pour euh, justement nous euh, pouvoir euh, aller chercher euh, vraiment dans, no dans nos limites et, et être fin prêt euh, pour, euh, pour ces jeux. Mmh. Donc voilà, il y a des conditions, on va faire une bulle sanitaire euh, les deux semaines avant de, de prendre l'avion. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est préparé, on, on est focus sur notre objectif et, euh, et voilà. Et, et ces jeux seront particuliers, c'est sûr. Il va falloir euh, euh, une nouvelle fois s'adapter, mais l'important c'est qu'on puisse aller euh, défendre les couleurs de la France sur, sur, sur cette euh, paralympiade et, et olympiade et, et donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, c'est vraiment. On, faut rester focus là-dessus parce que sinon c'est vrai que ça. On a bien, côté, vite de on a bien compris le côté rester focus. Ouais, ah ouais, euh... non, mais je vais vous le dire <laughs> x fois c'est pas grave, c'est déjà fait. Euh, c'est ce que vous dites aux athlètes. Euh, Roxana m'a raciné à nous. Il faut pas avoir d'inquiétude, faut y aller, faut foncer. Tout ça n'est pas très grave. Oui, il faut être opportuniste comme sur toutes les compétitions. De toute façon, gérer l'imprévu, gérer l'environnement dans des compétitions comme les Jeux Olympiques. C'est le lot des sportifs, c'est pour ça qu'on y va et c'est comme ça qu'on arrive à, à remporter des victoires, écrire une page qui n'est pas écrite à l'avance. Euh, c'est ça tout l'enjeu et c'est ça toute la motivation qui euh, nous, nous, nous fait nous entraîner autant d'heures par jour. Mm -hmm. Donc on a l'occasion de le faire plus que jamais finalement, mm. donc il faut le prendre positivement, on a l'occasion de changer le cours des choses. Donc euh, voilà, il faut avoir cette ambition de d'arriver plus haut que la septième nation aux Jeux Olympiques, améliorer le nombre de médailles parce que sur les Paralympiques, on est vraiment dans une trajectoire ambitieuse pour Paris 2024. Bien sûr, on, on a en mis en des parler. moyens supplémentaires pour que tous nos athlètes soient suivis, se préparent dans des bonnes conditions, soient en lien plus direct avec des personnes qui s'occupent d'eux et d'elles au ministère des Sports, en lien avec les fédérations. Et euh, ça va être un super test pour Paris, en fait, ces, ces Jeux ici à Tokyo. Avant de parler des médailles, euh, pourquoi dans ce contexte si particulier, on n'arrête pas de le dire, avoir revalorisé le montant des primes pour les médailles Est-ce que vous aviez besoin de motiver les sportifs oui, on a, on a envie de leur montrer de la considération, de montrer aussi que avoir une médaille d'or, c'est ce qui permet aussi de changer le classement des nations, puisque c'est les médailles d'or qui comptent prioritairement par rapport aux autres médailles. Et monter sur un podium pour une médaille d'argent ou de bronze, c'est ce qui changera aussi le classement, au classe, enfin notre place au classement des nations. Mais on motive Donc, on un sportif une, une avec ambition. de l'argent, en fait. Bien sûr, parce que vous savez, un sportif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas tous professionnels avec un contrat à l'année. Et c'est le seul moment où ils peuvent aussi être récompensés pour tout le travail et l'investissement qu'ils ont mis au quotidien pendant quatre ans. Avoir 65 000 euros lorsqu'on gagne une médaille d'or. Euh, c'est rien par rapport à l'investissement et le travail qu'on a effectué. Ce sont des, des personnes qui, depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, euh, ont une activité professionnelle sans qu'elle soit reconnue comme telle, sans qu'ils aient un contrat de travail, qu'ils cotisent pour la retraite, qu'ils aient des charges sociales. Donc euh, voilà, nous, tout ce qu'on fait là, c'est essayer de, de proposer véritablement un statut euh, ou, ou à minima cette... Euh, cette compensation euh, lorsque euh, ils, ils sont sur les podiums et, et qu'ils réussissent leur carrière. Sportive. Voilà, c'est 65 000 euros de prime pour l'or, 25 000 pour l'argent et 15 000 pour le bronze. Jacques a une question au standard de France Inter. Jacques, on vous écoute. Soyez le bienvenu. Bonjour, merci de prendre ma Bonjour. question. Euh, vous avez parlé un tout, un tout petit peu tout à l'heure du coût et je voulais euh, savoir s'il y avait une idée du coût de ces jeux euh, pour l'instant. Et euh, combien aurait coûté une annulation Merci Jacques. Roxana Marasinanou essaie de vous répondre. Vous bah avez les chiffres que... en tête ou pas Tokyo a, a beaucoup souffert de l'annulation de l'année dernière. Déjà, ils ont perdu énormément d'argent. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça aurait été effectivement dramatique aussi pour eux d'annuler. En revanche, là, le faire à huis clos. C'est aussi dramatique parce que beaucoup d'argent pour les comités d'organisation rentre grâce à la bietterie. Donc de toute façon, ils seront perdants. Le comité d'organisation, c'est pour ça qu'on y va dans cet esprit de reconnaissance vraiment par rapport au Japon et à tout l'investissement qui a été mis. Moi, j'espère, je leur conseillerais de postuler pour organiser les jeux dans, dans quelques années à nouveau parce qu'ils ont construit énormément aussi d'équipements sportifs. Il s'agit aussi de rentabiliser. C'est vrai qu'il y a les droits télé et que ça compensera un minimum pour l'organisateur et le CIO, mais c'est sûr que ce ne seront pas des jeux bénéficiaires, mm -hmm. en tout cas pas, pas comme d'habitude. Karine Nishimura, vous... il y a des polémiques au Japon sur le, le coût financier de cette compétition, de, de ces JO, et, et éventuellement effectivement il y a des gens pareils qui disent qu on aurait mieux fait de les annuler, ça nous coûte beaucoup trop cher tout ça. Oui, bien sûr, il y a des polémiques, hein, parce que le coût officiel est déjà de 13 milliards d'euros, sans compter le surcoût occasionné par les mesures sanitaires, par le, le, le report et par divers surcoûts qui vont, qui vont arriver. Et puis, bah, effectivement, le manque à gagner de la billetterie, hein, qui, rien que pour les spectateurs japonais, est de l'ordre de 750 millions d'euros. Euh, donc, tout ça va être difficile à compenser. Les Japonais sont contribuables. Les Tokyoïdes qui payent des impôts locaux extrêmement chers, euh, sans, te, sans te passer la facture. Et, et, et bien sûr, beaucoup se disent, s'il n'y avait pas eu les JO, peut-être que je paierais moins tous les mois. Donc c'est assez légitime comme, comme réaction. Hein. Alors maintenant, les équipements, effectivement, à un moment donné, il va falloir quand même pouvoir les utiliser, parce que quel dommage que toutes ces constructions ne servent absolument à, à rien dans l'immédiat. Mmh. Alors, on va parler aussi des, des objectifs très ambitieux pour euh, la France. Euh, Roxana Marasinani, je, je disais que vous espériez au moins 42 médailles pour euh, l'équipe euh, de France, une trentaine de médailles pour le Paralympique. Euh, quelles sont les fédérations grâce auxquelles on, on peut se montrer aussi optimiste Quelles sont nos, nos chances de médailles et où, en fait, dans quel sport On va dire très ambitieux vu le contexte. Mmh. Euh, J'espère qu'on pourra être plus ambitieux pour Paris encore. C'est Notre objectif, c'est de grappiller deux places dans le classement des nations, passer de la 7e nation à la 5e nation pour Paris. Et pour ça, il faut bien figurer d'ores et déjà, parce que c'est une première étape pour nos jeunes qui vont vivre des Jeux pour la première fois. Et on sait que lorsqu'on fait des Jeux Olympiques, c'est toujours bien d'avoir une expérience précédente pour réussir celle pour laquelle on se prépare. Donc ces Jeux sont placés sous le sceau de la transmission entre les champions expérimentés et les jeunes qui vivent ça pour la première fois pour leur donner les armes pour bien figurer à Paris dans trois ans. Et puis évidemment, sur euh, ceux qui euh, pensent terminer leur carrière euh, cette année, mais on espère tous que trois ans finalement, ce ne soit pas euh, aussi long que ça, et qu'ils vont rankier et qu'ils vont aller jusqu'à Paris. C'est aussi euh, une opportunité du déplacement d'un an de ces Jeux. Donc oui, une quarantaine de médailles, on en a eu 42 à, à Rio. Pour les Olympiques. 28 en Paralympique, et ça. ce serait bien qu'on dépasse les 30 et qu'on aille vers 30-35. Ça, c'est 35. Vous objectifs. avez la pression, là, Sandrine <laughs> Oui, mais moi, je, je suis pas quelqu'un, euh, quand j'étais athlète, euh, voilà. je sais qu'une médaille, c'est un résultat. c'est pas un objectif. L'objectif, c'est mmh. que les athlètes aillent dans les meilleures conditions, qu'ils puissent se concentrer, comme l'a dit Sandrine, sur ce qu'ils font, euh, qu'ils soient euh, euh, sereins euh, et confiants quand ils y vont, qu'ils sachent que la France est derrière eux, qu'on les encourage et qu'on veut qu'ils réussissent et euh, voilà qu on, qu on, quelque part qu'on arrête de parler de l'environnement des sportifs de la difficulté parce qu'on sait voilà, on sait que ce sera difficile maintenant euh, je dis toujours toute compétition c'est un everest à gravir il faut y aller étape par étape et puis, euh, et puis voilà, on focus, compte. je crois que Sandrine ouais, a suffisamment dit. Ça, on, on a focus. bien compris. On compte non, sur le judo. <laughs> C'est vrai, euh... vrai, que moi, dans ma tête, je me dis que le jour J, euh, voilà, je me suis préparée. Je, je, quoi qu'il arrive, je veux pas avoir de regrets, donc je donne le maximum et euh, je veux pratiquer mon meilleur judo, tout simplement. Mm -hmm. tout, et, simplement. Euh, tout simplement. Tout <laughs> simplement pratiquer mon meilleur judo, me faire plaisir. Et, euh, et la médaille viendra avec ça. Quand on est dans cet état d'esprit-là, la médaille, le résultat vient tout seul. On compte sur le judo, vous m'avez demandé tout à l'heure, le triathlon, le pentathlon. L'athlétisme. On a pas mal d'épreuves où on peut figurer sur les podiums et sur la plus haute marge du podium. Merci infiniment à toutes les trois. Je rappelle que les Jeux Olympiques débutent ce vendredi avec bien sûr la cérémonie d'ouverture, donc du 23 juillet au 8 août et ce sera du 24 août au 5 septembre pour les Paralympiques. Excellente journée à toutes les trois, mesdames. À suivre le carrefour du 6-9 au programme André Manoukian, Camille Cronier et Jean-Philippe Ballas.